Ben à Congo, mikolo nyonso tolali, tolamuki, ba expression, ba vocabulaire, ba mot ya sika, ezokobima. Mpe ntango nyonso soki mot ya sika ebimi na français surtout. Okongona ba écran nyonso eningani kokanisa filet ya bois ya football. Alors on a eu des expressions et des acronymes tels que et des mots tels que union sacrée, c'est tout le monde qui en parlait. Des pères et des mères et des pères. Tolali, tolamuki, moratoire. Dipa ofungolawa moratoire, ofungolawa moratoire. Tokulala li susute, levé de moratoire. Ba traître bezaba nani? Traître ya liboso, ezali Étienne Tshisekedi. Il avait coopéré avec les Tutsis. C'est lui, le maxi traître. Et il lui faut un procès post-mortem, même exhumer son cadavre, si son cadavre existe, et le juger dans un cercueil. Donc, premier traître, Zali Étienne. Yé na IDPS na yé nyosu. Ce sont des traîtres. Ce traître, qui vous êtes, vous, les gens de l'IDPS? Vous n'avez pas honte de chercher à accuser les autres qui sont des traîtres, pendant que c'est vous qui faisiez, en fait, qui faites la romance avec, qui faites la romance avec les occupants et les envahisseurs, à partir de la présidence. Et jusque dans la chambre du président de la République, vous êtes tous des traîtres, des complices. C'est connu. Ce n'est pas un secret des polichinelles. Pour que vous cherchiez à faire du bruit partout. Vous voulez tromper qui, vous, les gens de l'IDPS? C'est vous qui êtes des traîtres. Si vous voulez appliquer cette mesure, mais commencez avec votre mentor, Hippolyte Kadjambéry Kanembe, et tous les suppôts de PPRD, tous, sans exception, parce qu'ils ont endeuillé la population. Quand vous détournez le denier public, Yamboka, Boyibimbongo, vous faites entorse à l'économie et puis à la vie de tout citoyen qui devait bénéficier de la richesse Yamboka. Tous ceux-là qui étaient dans les PPRD, tous ceux-là qui sont dans l'IDPS, ils sont tous des traîtres. Ce n'est pas par la traîtrise, vous les gens de l'IDPS, vous êtes des traîtres. Batoboni, Oyo IDPS a ibomi. L'heure, Félix a eu le pouvoir. Lui, Kamere et le reste, naba complice na ba Rwandais. Peuvent-ils nous dire, et l'on les Okoboma, batou na présidence, ou batou nyos wakoufa, quelques mois après Azoa Nani, Azoa Ebonga. Tout ce monde-là, ou Akoufa qui bazaki ba traître, ou ce sont des gens qui, bozalaï koyina, bozalaï na ba règlement de compte contre Bango, bobomi bobomi Bango. Nous n'attendions pas seulement l'enlevé de moratoire. Diaspora, beaucoup dans la palais, bas combattants, beaucoup dans la palais, bas congolais, aux un monde entier, dans cinq continents, mon kiri mon bimba, vous abonnez à Congo Dialogue, info assure. Et vous faites ça ma solo, dialogue est sengi boyokani, dialogue est sengi bolingani, dialogue est sengi tosangana, bisonnier sur bas congolais, tous un monde entier, tous abonnés à Congo Dialogue, info. Et si vous avez un monde à moi, si vous avez une idéologie, facile en gamme. Mbote na bino bana mboka bana Congo. Mbote na bino pe pokwa elamu ba mokolo ya lelo, mokolo ya yambo ya mposo oyo tobandi lelo. Ebe na Congo mikolo nyonso tolali tolamuki ba expression, ba vocabulaire, ba mot ya sika. Ezokobima. Mpe ntango nyonso soki mot ya sika ebimi na français surtout. Okongona ba écran nyonso eningani kokanisa filet ya bois ya football. Vraiment, ba écran nyonso eninganaka. Omona bato balingi ba pasola ba écran na koloba, koloba. Alors on a eu des expressions et des acronymes tels que et des mots tels que union sacrée, c'est tout le monde qui en parlait. Des pères et des mères et des pères, eh bien, ils sont là qui n'ont minoko, puis n'ont mbebo ya badonios. Mposo yoti koleka, tolali tolamuki, moratoire, moratoire. Dino mokubota la kakandenge, batumbi zamba, via écran, naba présentateur, soit des chroniqueurs politiques, moratoire, moratoire.
dipa inyos ofungola wa moratoire ofungola wa moratoire et comme l'UDPS s'est emparé des médias dans l'officiel et dans le privé tokola la les sous-souté zali ntango nyoso moratoire moratoire moratoire. Lever des moratoires, lever des moratoires. Les loyaux. Parce que vous avez dit, oh, au Tukokanga, 850 traîtres. Donc, quand ici, vous allez exécuter. Ben, c'est pas mal. Dans un pays sérieux, si les traîtres sont exécutés. Les âmes abêtées. Mais qui veut exécuter qui? Nalobi, les âmes abêtées. Les traîtres, il faut pas la punir. Châtiment d'Avango, il faut les la laissons pour tous ceux-là qui oseront poser les mêmes actes comme Bango, aux allées répréhensibles selon la loi. Kasi. Banani bazali ba traite, na banani yo bazali ba traite te. Vous voulez nous dire que vous qui vous êtes emparés du pouvoir malicieusement, vous n'êtes pas de traître et que ceux-là que vous venez d'appréhender ou que vous soupçonnez ou avec qui vous avez des conflits personnels, ne va traître. Voyons. En allant en amont, donc dans le passé, avec un effet rétroactif, tout ce qui compte, va traître les abanani. Traître à Liboso, les alliés Étienne Tshisekedi. Parce que depuis longtemps, il avait coopéré avec les Tutsis. Il était leur complice au pays. Et grâce à Naye, Azuye Bonga, c'est lui le maxi traître. Et il lui faut un procès post-mortem. Même exhumer son cadavre, si son cadavre existe, et le juger dans un cercueil. À l'époque, au Vatican, il y a un pape qui était jugé comme ça, ses ossements étaient jugés. Bon, ce n'est pas pour copier ce qui s'est passé ailleurs, mais on dit, copier un bon modèle, ce n'est pas mauvais. Donc, premier traître, Zali Étienne. Yé na IDPS na yé nyosu. Ce sont des traîtres. Si vous ne voulez pas que l'exécution du moratoire Ezrana action rétroactivité, alors ça ne sert à rien de faire du bruit sur la résurrection de cette mesure que d'aucuns ne cesse d'appeler la levée, la moratoire. Donc, la résurrection, l'exhumation de cette mesure de la peine capitale qui était là depuis longtemps et que nous ne voulions pas appliquer sous prétexte de joindre les démocraties occidentales pendant que le grand pays qui se targue de donner des leçons de démocratie au monde entier, je vais parler des États-Unis d'Amérique, ce grand pays n'a jamais aboli la peine capitale. Oui, dans certains États, la peine capitale est là qui abolit, mais nombreux États,
le maintiennent. Nous colonies sont là, les Tolamouki. Il y a des exécutions qui ne sont pas sommaires. Des coupables qui avaient enfreint à la loi, soit en tuant d'autres gens, en volant, ou je ne sais comment. Les charges sont nombreuses et ça dépend de la façon dont la justice, la législation d'un pays les applique. Alors tous les écrans bougent. Le média délit des pèses. Balingui va faire endormir les gens. Non, le président, non. Le ministre de la Défense va salir Malamu. À cause de la bonne. Vous voulez plonger les gens dans l'embryamini avec des médias qui causent le tintamarre au lieu de nous donner du temps de nous focaliser sur ce qui est essentiel. Ce qui boulingi pour appliquer peine capitale, mais c'est tout le monde qui vous a précédé, vous, les gens de l'IDPS, et vous, de l'IDPS qui détenez aujourd'hui le pouvoir, qui doivent être décapités. Tous les PPRD, sans exception, qui ont fait des politiques Kajambe, les Kanambe, comme étant leur empereur, leur dieu, tous, intellectuels ou non, constitutionnalistes ou applaudisseurs, tous doivent passer par les armes. Professeurs d'université ou je ne sais qui, militants du PPRD, tous ces soi-disant spécialistes que nous voyons passer à la télévision, en train de défendre le bilan d'Hippolyte Kajambere Kanambe, comme s'il n'y a que eux qui sont le premier et les derniers observateurs et qui connaissent tout, tous doivent être passés par les armes, parce qu'ils sont tous des traîtres. Et ne nous dites pas que cette mesure ne sera appliquée qu'à partir de maintenant, après sa résurrection. Cette levée doit s'appliquer au présent, dans le passé comme dans l'avenir, afin de rendre justice à tout le monde et de considérer tout le monde au même pied d'égalité, enfin parmi les fautifs, quoi. On ne doit pas leurrer les gens en nous parlant seulement des traîtres actuels que vous feignez de couvrir, alors que parmi vous, les gens de l'IDPS, il y a des complices nombreux qui sont connus et qui sont cités tous les jours. Heureusement, aujourd'hui, il n'y a plus de presse officielle. N'importe qui, à partir de sa maison, de sa toilette, comme je suis ici, je ne suis pas dans la toilette, sans doute, je suis dans mon petit bureau, à la maison. Tout le monde a la libre expression de dénoncer ce traite. Qui vous êtes, vous, les gens de l'IDPS? Vous n'avez pas honte de chercher à accuser les autres qui sont des traîtres? Pendant que c'est vous qui faisiez, en fait, qui faites la romance avec, qui faites la romance avec les occupants et les envahisseurs, à partir de la présidence jusque dans la chambre du président de la République, vous êtes tous des traîtres, des complices. C'est connu. Ce n'est pas un secret des polichinelles. Pour que vous cherchiez à faire du bruit partout. Oh non, moratoire wana d'ailleurs, batuneti ba ba. En bongo, comme ça, la politique, au lieu de continuer dans le sacerdoce, dans la religion, mais il n'y a personne qui a le droit d'interdire aux compatriotes en bongo, malgré ses méfaits, de faire la politique. C'est un citoyen du pays. Il n'est pas dit que parce qu'on est clergé, on doit rester le nez croisé et la bouche bée devant des inepties et la médiocrité qui se déroule dans son pays. On n'aura donc pas secouru la populace qui s'ouvre. Vous voulez tromper qui, vous, les gens de l'IDPS? C'est vous qui êtes des traîtres. Si vous voulez appliquer cette mesure, mais commencez avec votre mentor, Hippolyte Kajambere Kanambe, et tous les suppôts de PPRD qui ont meurtri la population pendant 18 ans, pendant presque une trentaine d'années, je dirais. Tous, sans exception, doivent être exécutés.
Parce qu'ils ont endeuillé la population. Bon, soulever ma point, non, pour attendre, on a que s'appliquer caca. Nabato basali ba activité antipatrie, nabato azo ko pratiquer terrorisme urbain, et vous avez donné en illustration le pauvre petit Kuluna à Kinshasa. Mais ces gens ne deviendraient jamais des Kuluna si le pays était bien géré et que si chacun avait son dû dans tout ce que nous avons comme richesse du pays. Ils seraient des bons citoyens, avec un bon civisme, avec une bonne économie, une bonne gestion de la chose publique. Rares seraient des Kuluna. Mais ils sont devenus des Kuluna, à part ceux-là qui sont engagés par des malfaiteurs au pouvoir et qui étaient au pouvoir avant. Le reste pouvait naître de nouveau en leur enseignant un bon civisme. Mais ils sont devenus des Kuluna parce qu'ils cherchent à vivre et à survivre. La traîtrise contre le pays, vous le bien, Zali, fait Moussous va retenir, il y a Batou Bakouzala, frappé dans la mesure. Mais qu'est-ce que vous appelez la traîtrise? Ce n'est pas seulement d'être en intelligence avec les envahisseurs. Quand vous détournez le denier public, Yamboka, Boyibimbongo, vous faites entorse à l'économie. Et puis à la vie de tout citoyen qui devait bénéficier de la richesse Yamboka. Donc, tout détourneur de deniers publics, tout corrompu, c'est un autre traître. Et la mesure de la peine capitale, il faut effrapayer. Comme ça, on mettra fin au détournement. Et d'autres charges doivent être citées, pas seulement au Misato. Au Batia Kiwanao, terrorisme urbain, activité anti-patrie, et joindre les groupes rebelles. Non. Bon, ceux-là que vous appelez des rebelles ne sont pas des rebelles. La définition de rebelle est là qu'ici, tout citoyen du pays qui s'insurge contre l'autorité centrale de son pays. Ceux-là ne sont pas des citoyens congolais, bien qu'on peut trouver quelques opportunistes qui sont là-bas. Mais ceux-là sont des Rwandais, donc le M23 n'est pas une rébellion. C'est bien connu de tout le monde et ne cherchez pas à offusquer la vérité et à verser dans la sémantique des mots aux alliés péjoratives. Ils ne sont pas des rebelles, les M23 ce sont des envahisseurs, des agresseurs. Et donc ça ne doit pas seulement s'appliquer au M23. Tous ceux-là qui étaient dans les VPRD, tous ceux-là qui sont dans l'IDPS, ils sont tous des traîtres. Pouvoir de Nénine. Ce n'est pas par la traîtrise que vous, le soi-disant chroniqueur de l'IDPS, appelez traîtrisme. Le mot traîtrisme n'existe pas en français. C'est la traîtrise et non pas le traîtrisme. Bolo Balabino, Lingala, soyez le Tochilou Balabiso, qui passait le Tabotiaka. Moi, en français, vous ne savez même pas l'accord du verbe Mingi Baebiata. Genre, elle va monter. Il ne sait pas si c'est là, si c'est là l'article qu'on doit utiliser. Et vous sortez comme ça à la télévision en train de dégonfler langue à votre moussoussou. Parce que vous voyez bien goûté. Traîtrisme. Traîtrisme, c'est quoi? Dans quel dictionnaire vous allez trouver le mot traîtrisme? Donc, traître, Ezali Bino, Batoyaï de Pes. C'est vous qui êtes des mèches avec les agresseurs. Plusieurs fois, tout cité, par exemple, par illustration, pour tout la que ça, qui traîtrise Nabino Ezali Wap. Tant qu'en Haïti, Batomingi, basi basi cité Ango. Alors, Botika qu'on passe sur l'écran, Nabino Kalokuta, parce qu'on vous a donné chacun un micro, chacun un ordinateur à la maison, pour chercher à consolider le pouvoir au Bokanesike, Bokubungi Sate. Vous n'allez pas faire 3-4 mandats là-bas. Vous croyez que même si vous changez la constitution que nous en appelons de tout nouveau, que va changer en haut, vous ne serez pas de Poutine. Poutine peut rester l'empereur à vie. Il demeure incomparable vis-à-vis de vous qui cherchez à vous comparer à Poutine
où vous avez des Occidentaux qui sont des marchands de la fausse démocratie partout. Poutine défend son pays et il y a des progrès économiques chez lui au pays. Et malgré une petite frange de l'opposition corrompue par l'Occident et qui a toujours cherché à se faire voir comme étant des donneurs de leçons partout à travers le monde. Vous, les gens de l'UDPS, vous êtes des traîtres. Avant, moratoire est à lever. Bato boni. Oyo, il pèse à ibomi. Zamingit. L'heure, Félix a eu le pouvoir. Lui, Kamere et le reste, n'a pas complice, n'a pas Rwanda. Peuvent-ils nous dire, et l'on connaît les autres Obama, Bato la présidence, ou Bato Nyos Wakufa, quelques mois après Azoa Nani, Azoa Ebonga? Tout ce monde-là, ou Wakufa qui basait, qui va traître, ou ce sont des gens qui. Donc, nous n'attendions pas seulement la levée de moratoire. Alors, très chers compatriotes, merci beaucoup, Sali, et tout ce que j'ai dit, c'est pour le Congo de Lumumba, de Kimbangu, de Kimpavita, de Simon Kimbangu, de Pierre Mulele, de tous les combattants congolais, de tous les martyrs congolais qui luttent pour que la nation congolaise soit. Mbote na bino bana mboka bana Congo. Mbote na bino pe poko elamu ba mokolo ya lelo, mokolo ya yambo ya mposo oyo tobandi lelo. Ebe na Congo mikolonyo sotolali tolamuki ba expression, ba vocabulaire, ba moya sika. Zokobima. Mpe ntango nyoso soki moya sika ibimi na français surtout. Okongona ba ekran nyoso eningani kokanisa filet ya bois ya football. Vraiment ba ekran nyoso eninganaka. Omona bato balingi ba pasola ba ekran na koloba. Alors on a yi des expressions et des acronymes tels que et des mots tels que union sacrée, c'est tout le monde qui en parlait. Des pères et des mères et des pères, eh bien, ils ont là qui n'a minoko, puis n'a mbebo ya badjonyos. Mposo yoti koleka, tolali tolamuki, moratoire. Dino mokubota la kakandenge. Ba tombi zamba via écran na ba présentateur soit des chroniqueurs politiques moratoire di pa nyos ofungola wa moratoire et comme l'UDPS s'est emparé des médias dans l'officiel et dans le privé. Tukula la li susute. Zali mtango nyoso. Moratoire. Leve de moratoire. Le loyo. Bazoko yebisa biso. Oh! Aoti kokanga. 850 traîtres. Tokanisi bako zala exécuter. Ben, c'est pas mal dans un pays sérieux si les traîtres sont exécutés. Les âmes abêtées. Mais qui veut exécuter qui? Nalobi, les âmes abêtées. Les traîtres, il faut pas la punir. Châtiment d'Abango, il faut pas la laisser pour tous ceux-là qui oseront poser les mêmes actes comme Bango aux allées répréhensibles selon la loi. Kasi. Banani bazali ba traite, na banani yo bazali ba traite. Vous voulez nous dire que vous qui vous êtes emparés du pouvoir, malicieusement, vous n'êtes pas
de traître et que ceux-là que vous venez d'appréhender ou que vous soupçonnez ou avec qui vous avez des conflits personnels ne va traître. Voyons. En allant en amont, donc dans le passé, avec un effet rétroactif, tout ce qui compte, va traître les abanani. Traître à Liboso, les alliés Étienne Tshisekedi. Parce que depuis longtemps, il avait coopéré avec les Tutsis. Il était leur complice au pays. Et grâce à Naye, Ndemwanaye, Azuye Bonga, c'est lui le maxi traître. Et il lui faut un procès post-mortem, même exhumer son cadavre, si son cadavre existe, et le juger dans un cercueil. À l'époque, au Vatican, il y a un pape qui était jugé comme ça, ses ossements étaient jugés. Bon, ce n'est pas pour copier ce qui s'est passé ailleurs, mais on dit, copier un bon modèle, ce n'est pas mauvais. Donc, premier traître, Zali Étienne. Yé na IDPS na yé nyosu. Ce sont des traîtres. Si vous ne voulez pas que l'exécution du moratoire Ezrana action rétroactivité, alors ça ne sert à rien de faire du bruit sur la résurrection de cette mesure que d'aucuns ne cesse d'appeler la levée, le moratoire. Donc, résurrection, l'exhumation de cette mesure de la peine capitale qui était là depuis longtemps et que nous ne voulions pas appliquer sous prétexte de joindre les démocraties occidentales pendant que le grand pays qui se targue de donner des leçons de démocratie au monde entier, je vais parler des États-Unis d'Amérique, ce grand pays n'a jamais aboli la peine capitale. Oui, dans certains États, la peine capitale est là qui abolit, mais nombreux États le maintiennent. Il y a des exécutions qui ne sont pas sommaires de coupables qui avaient enfreint à la loi, soit en tuant d'autres gens, en volant, ou je ne sais comment. Les charges sont nombreuses et ça dépend de la façon dont la justice, la législation d'un pays les applique. Alors tous les écrans bougent, le média délit des pèses. Balingui va faire endormir les gens, non, le président, non. Le ministre de la Défense va salir malamu à cause de la boue, beaucoup de bottes, biloko mingi. Vous voulez plonger les gens dans l'embryamini avec des médias qui causent le tintamarre au lieu de nous donner du temps de nous focaliser sur ce qui est essentiel. Ce qui bolingi, vous appliquez. Peine capitale. Mais c'est tout le monde qui vous a précédé, vous, les gens de l'IDPS, et vous, de l'IDPS qui détenez aujourd'hui le pouvoir, qui doivent être décapités. Tous les PPRD, sans exception, qui ont fait des politiques Kajambe et Kanambe comme étant leur empereur, leur dieu. Tous. Intellectuel ou non, constitutionnaliste ou applaudisseur, tous doivent passer par les armes. Professeur d'université ou je ne sais qui, militant du PPRD, tous ces soi-disant spécialistes que nous voyons passer à la télévision
en train de défendre le bilan d'Hippolyte Kajembele Kanambe comme s'il n'y a que eux qui sont le premier et les derniers observateurs et qui connaissent tout. Tous doivent être passés par les armes parce qu'ils sont tous des traîtres. Et ne nous dites pas que cette mesure ne sera appliquée qu'à partir de maintenant, après sa résurrection. Cette levée doit s'appliquer au présent, dans le passé comme dans l'avenir, afin de rendre justice à tout le monde et de considérer tout le monde au même pied d'égalité, enfin parmi les fautifs, quoi. On ne doit pas leurrer les gens en nous parlant seulement des traîtres actuels que vous feignez de couvrir, alors que parmi vous, les gens de l'IDPS, il y a des complices nombreux qui sont connus et qui sont cités tous les jours. Heureusement, aujourd'hui, il n'y a plus de presse officielle. N'importe qui, à partir de sa maison, de sa toilette, comme je suis ici, je ne suis pas dans la toilette, sans doute, je suis dans mon petit bureau, à la maison. Tout le monde a la libre expression de dénoncer ce traite. Qui vous êtes, vous, les gens de l'IDPS? Vous n'avez pas honte de chercher à accuser les autres qui sont des traîtres, pendant que c'est vous qui faisiez, en fait, qui faites la romance avec, avec les occupants et les envahisseurs. À partir de la présidence et jusque dans la chambre du président de la République, vous êtes tous des traîtres, des complices. C'est connu. Ce n'est pas un secret des polichinelles. Pour que vous cherchiez à faire du bruit partout, oh non! Moratoire wana d'ailleurs batuneti ba ambongo ba comme ça la politique au lieu ba continuer na sacerdoce na bango na religion, mais il n'y a personne qui a le droit d'interdire aux compatriotes ambongo, malgré ce méfait, de faire la politique. C'est un citoyen du pays, il n'est pas dit que parce que on est clergé on doit rester le main croisé et la bouche bée devant des inepties et la médiocrité qui se déroule dans son pays. On n'aura donc pas secouru la populace qui s'ouvre. Vous voulez tromper qui, vous, les gens de l'IDPS? C'est vous qui êtes des traîtres. Si vous voulez appliquer cette mesure, mais commencez avec votre mentor, Hippolyte Kajembele Kanambe, et tous les suppôts de PPRD qui ont meurtri la population pendant 18 ans, pendant presque une trentaine d'années, je dirais. Tous, sans exception, doivent être exécutés parce qu'ils ont endeuillé la population. Bon, soulevez ma point, non, pour la Tarouana, et que vous appliquez caca. Nabato basali ba activité antipatrie, nabato azoko pratiquer terrorisme urbain, et vous avez donné en illustration le pauvre petit Kuluna à Kinshasa. Mais ces gens ne deviendraient jamais des Kuluna si le pays était bien géré et que si chacun avait son dû dans tout ce que nous avons comme richesse du pays. Ils seraient des bons citoyens, avec un bon civisme, avec une bonne économie, une bonne gestion de la chose publique. Rares seraient des Kuluna. Mais ils sont devenus des Kuluna, à part ceux-là qui sont engagés par des malfaiteurs au pouvoir et qui étaient au pouvoir avant. Le reste pouvait naître de nouveau en leur enseignant un bon civisme. Mais ils sont devenus des Kuluna parce qu'ils cherchent à vivre et à survivre. La traîtrise contre pays, vous le dites, Zali, fait moussous pour retenir, il y a bateau, parce que Zala frappe la mesure. Mais qu'est-ce que vous appelez la traîtrise? Ce n'est pas seulement d'être en intelligence avec les envahisseurs. Quand vous détournez le denier public, Yamboka, Boyibimbongo, vous faites entorse à l'économie. Et puis à la vie de tout citoyen qui devait bénéficier de la richesse Yamboka. Donc,
tout détourneur de deniers publics, tout corrompu, c'est un autre traître. Et la mesure de la peine capitale, il faut être payé. Comme ça, on mettra fin au détournement. Et d'autres charges doivent être citées, pas seulement au Misato, au Batia Kiwanao, terrorisme urbain, activité anti-patrie, et joindre les groupes rebelles. Non. Bon, ceux-là que vous appelez des rebelles ne sont pas des rebelles. La définition de rebelle est là qu'ici, tout citoyen du pays qui s'insurge contre l'autorité centrale de son pays. Ceux-là ne sont pas des citoyens congolais, bien qu'on peut trouver quelques opportunistes qui sont là-bas, mais ceux-là sont des Rwandais. Donc, le M23 n'est pas une rébellion. C'est bien connu de tout le monde et ne cherchez pas à offusquer la vérité et à verser dans la sémantique des mots aux alliés péjoratives. Ils ne sont pas des rebelles. Les M23, ce sont des envahisseurs, des agresseurs. Et donc, ça ne doit pas seulement s'appliquer au M23. Tous ceux-là qui étaient dans les VPRD, tous ceux-là qui sont dans IDPS, ils sont tous des traîtres. Vous n'avez qu'à pouvoir de Nguyen. Ce n'est pas par la traîtrise que vous, le soi-disant chroniqueur de l'IDPS, appelez traîtrisme. Le mot traîtrisme n'existe pas en français. C'est la traîtrise et non pas le traîtrisme. Bolo Balabino, Lingala, soyez le tochilou banabiso, que passer le tabou tiaka. Bah, moi, en français, oh, bon, évitez, vous ne savez même pas l'accord du verbe, mingi, bah, ébiata, genre, et bah, monte. Ils ne savent pas si c'est là, si c'est là l'article qu'on doit utiliser. Et vous sortez comme ça à la télévision en train de dégonfler langue à votre moussousou. Parce que, bah, ébiangote. Traitrisme. Traitrisme, c'est quoi? C'est dans quel dictionnaire vous allez trouver le mot traitrisme? Donc, bah, traître Ezali Bino, Batouyaï de Pes, c'est vous qui êtes des mèches avec les agresseurs. Plusieurs fois, tout cité, par exemple, par illustration, pour tout la que ça, qui traîtrise Nabino Ezali Wap. Tant qu'en Haïti, Batomingi, c'est ma cité en go. Alors, Botika qui passe sur l'écran, Nabino qui a l'okuta, parce qu'on vous a donné chacun un micro, chacun un ordinateur à la maison pour chercher à consolider le pouvoir au Bokanesike, Bokubungi Sate. Vous n'allez pas faire 3-4 mandats là-bas. Vous croyez que même si vous changez la constitution que nous en appelons de tout nouveau, que va changer en haut, vous ne serez pas de Poutine. Poutine peut rester l'empereur à vie. Il demeure incomparable vis-à-vis de vous qui cherchez à vous comparer à Poutine, ou vous avez des Occidentaux qui sont des marchands de la fausse démocratie partout. Poutine défend son pays et il y a des progrès économiques chez lui au pays, malgré une petite frange de l'opposition corrompue par l'Occident et qui a toujours cherché à se faire voir comme étant des donneurs de leçons partout à travers le monde. Vous, les gens de l'IDPS, vous êtes des traîtres. Avant moratoire est à lever, bato boni, oyo il est pèse à ibomi. Zamingit, l'heure Félix a eu le pouvoir, lui, Kamere et le reste, n'a pas complice n'aie pas Rwandais. Peuvent-ils nous dire, alors qu'on est les Okubama, bato la présidence, ou bato nyos wakufa, quelques mois après Azoa Nani, Azoa Ebonga. Tout ce monde là où Wakufa qui basait va traître, ou ce sont des gens que vous allez koyina, vous allez qu'il y a un règlement de compte contre Bango, Bobomi, Bobomi, Bango. Donc, nous n'attendions pas seulement la levée de moratoire. Alors, très chers compatriotes, merci beaucoup, Sali, et tout ce que j'ai dit, c'est pour le Congo de Lumumba, de Kimbangu, de Kimpavita, de Simon Kimbangu, de Pierre Mulele, de tous les combattants congolais, de tous les martyrs congolais qui luttent pour que la nation congolaise soit. Popoli bon,
dialogue est sengi bolingani, dialogue est sengi to sangana, bisonio soba congolais to sa na monde entier, to s'abonner na Congo Dialogue Info, et si la ligne bobo mona 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 si quoi y'a na idéologie.